Bonjour à tous, nous voudrions vous présenter aujourd'hui l'ouvrage d'Elizabeth Elliot Au seuil de l'éternité, cinq missionnaires martyrs en Équateur. L'histoire de la mission n'oubliera jamais les noms de Jim Elliot, Pat Fleming, Nate Sand, Ed McCully et Roger Youderian, les cinq jeunes missionnaires américains qui, en 1956, ont consommé le sacrifice dans la brousse équatorienne. Avec la collaboration des quatre autres veuves, Elizabeth Elliot nous raconte ici le courage et le dévouement de ces hommes qui ont souffert le martyre aux mains des Okas, les Indiens auxquels ils s'efforçaient de transmettre la parole de Dieu. En acceptant de tout abandonner pour Dieu, ils nous ont laissé un défi qui nous interpelle aujourd'hui, comme au jour de leur mort. Pour compléter ce récit du sacrifice suprême qu'ils ont consenti pour le Christ, vous lirez aussi avec intérêt la biographie de Jim Elliot dans l'autre livre du même auteur, À l'ombre du Tout-Puissant. Vous pourrez télécharger Au seuil de l'éternité d'Elizabeth Elliot sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Je suis par contre à la recherche du livre de Jim Elliot À l'ombre du Tout-Puissant. Si vous le possédez, vous pourriez peut-être me l'envoyer et prendre contact avec moi sur le site internet délivrez-vous52@gmail.com. Au revoir à tous et à bientôt.